Oh, premier geste, faut se laver des mains. Et bien frotter tout le savon, 30 secondes au moins. Plus d'accolade dans la rue, surtout va vite. Tu croyais pas le choix, en vérité, on est en temps de crise. On a crié le logo, sinon se salue de loi. Je n'irai pas de voir rougir les gens si j'ai besoin de rien. Y'a pas de panique, mais la mort, je n'ai plus de paix. Jean-Michel est mort, ça fait deux jours qu'il repose en paix. Effectivement, mais il faut d'abord dire que l'actualité est fortement marquée par la pandémie du Covid-19 qui sévit partout dans le monde. Le Sénégal, malheureusement, n'est pas en reste. Et c'est pourquoi l'État du Sénégal a très tôt pris un certain nombre de mesures allant de la proclamation de l'état d'urgence au couvre-feu, de la suspension provisoire des marchés hebdomadaires et de toutes les manifestations culturelles et religieuses. Gamou, Magal, mariage, funérailles, baptême, etc. Pour éviter la propagation de la dite maladie. Cet état de fait a eu des conséquences néfastes sur l'économie et a incité l'État à élaborer un plan résilience économique et lui a permis de débourser un montant de 69 milliards pour 1 million de ménages, dont 1 588 045 ménages qui figurent dans le registre national unique et le reste qui fera l'objet d'un ciblage par les différents comités mis en place. Cette action de l'État est confortée et consolidée par M. Gramba, au Conseil des collectivités territoriales, le maire de la commune de Kam, qui a bien voulu mettre à la disposition des populations démunies de sa commune 10 tonnes de riz, en plus des produits détergents et autres actions qu'il a eu à mener envers les postes et cadres de santé, mais aussi à l'endroit des services techniques locaux. En tant que représentants de l'État, nous ne pouvons que nous réjouir de cet élan de solidarité qui s'inscrit dans la dynamique de l'appel lancé par Son Excellence, M. le Président de la République, M. Macky Sall. Ce qu'il faut dire également par rapport à la situation de la pandémie du Covid-19 dans l'arrondissement, nous avons très tôt mis en place un comité local d'alerte, de suivi et de lutte contre le Covid-19 qui est essentiellement composé des 5 maires des communes de Kam, de Yangan, de Mbeulhe, de Tessekere et de Mouy. En plus, il y a les ICP, et il y a également le Haut Conseil économique social environnemental, il y a tous les autres services techniques locaux. Je remercie au passage tous les membres du comité qui travaillent en parfaite collaboration pour en tout cas éviter la propagation de la maladie. Mais il y a un aspect important qu'il ne faut pas perdre. Aujourd'hui,
puis nous évaluons la situation qui prévaut dans notre arrondissement. Nous touchons du bois. Nous avons arrêté aucun cas positif, qu'il en soit ainsi. Mais je voudrais lancer un appel à l'endroit des populations de l'arrondissement, et particulièrement celle de la commune de Kamb, pour leur dire qu'au niveau de la région de Louga, la situation devient de plus en plus alarmante. On a noté des cas communautaires qui tournent aux environs de 28. Et donc, c'est de dire aux populations de respecter scrupuleusement les règles d'hygiène, mais aussi les mesures barrières, mais également le port de masque qui devient obligatoire. J'en appelle donc à la confiance de pratiquement de tous les notables, des chefs de village, des relais communautaires, des maires, que toute la population soit consciente que le Covid-19 est un danger qui nous guette nous tous. Donc, nous tous, nous devons assurer individuellement notre propre protection. Je voudrais, enfin, féliciter le maire de la commune de Kamb, qui n'a cessé depuis le début de l'annonce de cette pandémie, et d'être à côté des populations, pour leur venir en aide, mais surtout pour mener des actions de sensibilisation en collaboration avec l'ICP et M. Cissé de Kamb. Donc je les félicite et leur demande de redoubler davantage donc tous les efforts qu'ils ont eu à faire jusqu'ici. Je voudrais aussi dire aux chefs de village que des comités villageois doivent être mis en place avec une composition. Donc, le travail ne saurait se faire qu'une seule. Donc, c'est un travail d'équipe. Et le choix doit être objectif. Et à l'issue donc des réunions tenues par ces comités villageois, des procès-verbaux doivent être dressés, plus des feuilles de présence. Tout sera centralisé d'abord au niveau communal et le maire présidera le conseil communal. Le contrôle se fera d'abord à ce niveau, puis maintenant au niveau du comité d'arrondissement, qui est également chargé du contrôle et de la validation. Et tous les procès-verbaux, en tout cas toute la documentation, sera transmise à l'autorité supérieure, en l'occurrence le préfet du département. Donc c'est un travail sérieux qu'il faudra faire, parce qu'il s'agit de venir en aide les populations les plus vulnérables. Et donc, il faudrait que tout le monde en prenne conscience que cet appui de l'État doit aller vers les populations les plus démunies. Maintenant, après la distribution des vivres qui sera faite prochainement, parce que peut-être d'ici 2 semaines,
les magasins seront pour vous. Donc le ministre du Développement communautaire, ce matin, en a parlé. Mais il est également bon de savoir que des magasins de distribution et les magasins de distribution avancés doivent être aménagés pour que les vivres puissent être gardés dans ces locaux, dans des endroits sûrs. Et ensuite, l'autorité administrative prendra un arrêté pour la commission chargée de la distribution de ces denrées. La gendarmerie qui est sur place verra donc à tout ce à cela. En tout cas, il verra à une bonne distribution de ces biens. Je finis par remercier. Finis donc par remercier le comité local d'alerte de suivi et de lutte contre le Covid, les maires, les imams qui sont également qui nous accompagnent dans le processus, les notables, les représentantes des femmes, les présidents de conseil communal de la jeunesse, en tout cas, bref, toutes les personnes qui ont eu donc à participer dans cet élan de lutte contre le Covid-19. Et ensemble, nous vaincrons l'ennemi qui est le coronavirus. Je suis venu à la maison de la
pour def ñu tuddé ciblage manam xol li ko dalé ci comité d'arrondissement de contrôle et de validation ba ci comité communal bi ba jëm ci comité villageois ñu dajalé ay nit yo xam tan non la ko document teulé ñu tok chamba xol dëgg ci village bu ne ñun ñoo koy yaayu dimbali def su ko dajé ñu tann ñooñu waaye bu ñu ko tànné ñu jëmmal ni bañ koy tànn am na ñu ko téye woon comme ni ñu ko waxee loola ñu jël ko jébbal ko comité communal bi moom tamit am na liggéey bu ñu ciy def su noppee jébbal ñu ko am na liggéey bu ñu ciy def buñu noppee ñun tamit ñu yónnee ko suñuy kilifa am na liggéey bu ñu am solo bu ciy def loolu nag ñu xam ni dëgg ñi ko yeewu mooy ñi nga xamantani dañu soxla dimbal population yi xamee ko noonu ba liggéey bi nga xamantani moom lañ ci war a def mu nekk liggéey bu mucc yooyu bu ñu ko defee dimbal yi ñëwee fas yéene nañu comme ni ñu ko santé ñu wut ay magasin yoo xam tani daañu ko mën a denc dund bi ba ñu ko rob ñu koy mën a seddal li ci gën a baax nag muy magasin yoo xam tani dina am fii ci biir commune bi waaye dana gën a jige population yi ba buñ koy jël di ko yóbbu seen fa ñu dëkk ñu bañ a am benn coor loolu nag daañu ci ànd it gendarmerie xam tamit am na liggéey bu am solo bu ñu essayé def pour mën a taxawee askan bi ba nekk ñu ñu ko njiitoree bëggee ñu mën koo defee ci anam yooyu noonu dañ ko fas yéene def di wax rek ni situation bu ñu jëlee wàllu feebar bi fii ci arrondissement yang yang ñu ngi sant yàlla bu baax ndax yàlla dimbale nañu boobu ba léegi kenn feebaru fi ñu ñaan yàlla loolu yàlla na continué amoon na réunion boo xam tamit woote woon naa ko fi pour que ni ñu ko waxee ñu jëmmal benn comité boo xam tamit mooy comité bi nga xam tamit tey moo réception fi fii comité boobu muy en tout cas liggéey ak maire yi nga xam tamit ñu ci bokk ñu maireu Kambu Bulla yang bu Tefekere ak ICV yi nekk ci arrondissement bi yëpp ak service technique locaux yi yëpp ak même ba ci au conseil économique social environnemental ñoom ñëpp ñu taxaw liggéey xam ni benn fee rek mooy ñoom mooy fexe ba feer dellu ginnaaw dem ba Sénégal kenn ba feer rek waaye li am solo mooy ñu xam ni président de la République ba mu taxawee pour dimbali askan bi dafa amoon appel bu mu lancé wax ni mbir mi mbiru Sénégal yëpp la moo tax def na consulté parti politique yeeg en tout cas secteur bu ne waxtaan naa ak yow pour que ñu xam ni liggéey ñëpp la tey jii nag bu ñu ñëwee fii ci Kambu nga xam tamit monsieur Grand Ba di le conseiller politique de développement ba pare di maire Kambu am dimbal lu am a am solo toll ci fukki tonn ceeb mu fas yéene koo jagle ñi nga xam tamit dañoo néew doole te loolu amul ci doole bu mooy ci njàll lu ñu jëfal am na lu mel ni ay produits détergent ak beneen xeetu ndimbal boo xam ne jagleel na ko poste de santé ak case de santé mais aussi service technique loolu nag dañ ko ci jaajëfal ndax ba mbas mi am na bi
de Vial, nous sommes ici, nous sommes dit que la population en dernier, qui met en vie, surtout aussi dit une large population, nous aussi def comme nous sommes docteurs et santanés, parce que le tchèque qui est en mon local et radal, nous sortons. Lolo aussi, ben que tu dis à l'heure, dis à l'heure, mais aussi, comme nous avons dit, nous avons dit que 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 nous avons bi mbass bi ñëwé loolu dafa gëna metti gëna am doole ci ñom ndax fu nekk dañ leen ko soxla ñu koy jaajëfal parce que gis nañ taxawaay vraiment rafet na lool ci ni mu koy defee fii ci arrondissement bi ñu koy yóbbante aussi cant élément bi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey bi di ñaax rek population bi yëpp imaam yi ñoom tamit wax dëgg yàlla ñëpp xam ni am na lu dalna seen bopp waaye ñoom ñëpp dajaloo nekk benn xam li ñuy xeex njang ñu ñëpp la ñoom tamit ànd na ñu si liggéey bi ànd ceeg chef de village bi ànd ceeg jeunesse bi ànd ceeg jigéen bi ànd ci ak bàyyi ko yi relais communautaire mais ànd ci aussi ak presse bi nga xam tamit vraiment rôle bi ngeen di joué aussi rôle la boo xam tamit kenn xamul nu mu toll ci xeetu baax baax ndax te nit ñi tey ji mën a jotee ci xam lan mooy xelal bi dëgg sensibilisation bi ci ëpp doole nga xam tamit xarale yi ñu am tey dem na fu nekk presque bi am nañ ci bo bu am solo boo xam tamit ñu koy def rawatina yéen ñi nga xam tamit yéen a ngi fii ci zone Daara ak li ko wër di am liggéey bu am solo boo xam ne yéen a ngi koy def pour que nit ñi xam fan la ñuy teg seen tànk xam lan la feebar bi bañ xam lan lañ ci war a def loolu aussi dañ leen ci jaajëfal bu baax di leen sant di leen gërëm sa
Merci. Allez.